Aujourd'hui, Alan et moi, ça va Alan? Ça va très bien. Donc Alan de Rosier, notre designer de choc. Voilà, designer de la Turbo 3, légende automobile et ami de longue date. Donc on a plein de trucs à vous dire, plein de trucs à vous montrer. Là on est sur la concept car Lone, donc c'est la pelouse des concept cars. Donc là c'est toutes des voitures qui n'ont jamais été vues avant. Si elles ont elles ont été vues, mais après pas forcément en public. Mais c'est que des voitures qui ont déjà été montrées pour la première. Montrées en digital. Montrées en digital et certaines aussi, là, comme la Phoenix Egg, ont déjà aussi été montrées en physique. Il y a juste l'Audi, c'est la première fois qu'on la voit. Ok, donc on va les voir, on va faire notre petit tour là. Ouais. La Countach. Ok, la fameuse Countach dont tout le monde parle, la Gunther verte. Tu vois, Ford GT, la nouvelle NSX. Bah écoute, on va tourner cette caméra. Allez. On vous souhaite un bon moment, les gars, parce que vous allez voir vraiment du très très lourd. Laquelle tu vas offrir aux personnes qui regardent et à celles qui demandent. Bah écoute, les gens qui regardent, ils vont falloir qu'ils se l'offrent eux-mêmes. Ouais, ou mais par contre, on peut vous aider. On peut vous aider à la commander. C'est pas un problème. D'ailleurs, on prend les commandes là. Il reste quelques. Et là, je suis très sérieux. Il reste quelques modèles de Gemba. On est des contacts privilégiés pour vous obtenir parmi les dernières qui sont sur les 40 qu'ils ont prévues. Il en reste moins de 10. Donc voilà, s'il y en a qui. Si quelqu'un est intéressé par une Gemba Martien, faites signe et on vous arrangera ça. Alors on tourne la caméra. On va commencer avec la voiture la moins incroyable de tout le parterre. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont mis ça là, Alan? Un petit SUV Infiniti. Ça c'est le concept Infiniti. C'est un concept SUV. Alors pourquoi ils l'ont mis là? Bonne question. C'est assez étonnant d'ailleurs qu'il ait eu le droit de venir sur le concept Carlin. Bah, peut-être qu'ils ont tout simplement mis la main au portefeuille. C'est possible. Parce que quand on est tout de suite après, là on tombe sur la Koenigsegg. Voilà, ça Koenigsegg Gemera. Donc très intéressant, la première supercar 4 places, même hypercar. Donc elle est munie d'un 3 cylindres en mid-engine, centrale arrière. Centrale arrière. Voilà, donc là on peut voir le tout petit 3 cylindres qui développe plus de 600 chevaux. C'est un 3 cylindres turbo. Exactement. Et plus les moteurs électriques, on est à 2000 chevaux. Voilà. Donc là 2000 chevaux les amis, 2000 chevaux, 4 places. Une tonne 850. Donc, je prends un petit peu de recul pour vous la montrer. Et on va surtout vous montrer l'intérieur, parce que c'est aussi ce qui fait la particularité de cette voiture, c'est que c'est une 4 places avec deux portes. Avec un système incroyable. On peut aller voir l'intérieur. Ouais, on va aller voir l'intérieur. Bon, Alan est un peu connu comme le loup blanc ici, tout le monde le sollicite. On a discuté avec Sacha, le designer de cette voiture. C'est quoi le nom de famille de Sacha? Selipanov. Voilà, Sacha Selipanov, designer de. Donc maintenant il est directeur du design de Koenigsegg et il a dessiné la Bugatti Chiron. Ok, incroyable. Et donc il a dessiné la Bugatti Chiron et donc en fait il nous a parlé un petit peu donc, de cette voiture. Donc il a donné pas mal d'informations. Ouais. Donc,
très intéressant, très basse. Donc ça c'est vraiment cool. Donc voilà, on a donc ici la Koenigsegg Gemera, ensuite on a une Yesco Absolute, juste ici, voilà. Ouais. Donc Yesco, c'est le nom du père de Christian von Koenigsegg, qui est le créateur de Koenigsegg. Donc il voulait faire une petite surprise et donc il a appelé cette voiture-là la Yesco. Incroyable. Voilà. Donc, pareil, on est sur un truc à 1500-1600 chevaux. Okay. Et Alan, on va regarder un petit peu le système de porte là. Donc là, en fait, il y a un accès très très limité à la pelouse. Donc pour nous, c'est un. On est en train de justifier qui on est, pourquoi on est là. Mais au moins on a l'accès et là on vous fait partager ça en avant-première parce que vous avez pu voir durant les différentes vidéos qu'on a fait jusqu'ici, il y a JP Gagic qui est là pour Automoto, ils sont en train de faire un super sujet que je vous recommande d'aller voir après, je pense que ce sera le 29 août quand ils vont reprendre le 29 août la diffusion d'Automoto parce que pour l'instant c'est les rediffs et donc il y aura un super reportage qui sera bien plus léché que ça. Nous on est vraiment, on fait des petites vidéos, on fait du live, ouais. Voilà, pour vous partager ça parce que on n'avait pas prévenu donc ça reste un événement ultra limité et c'est pour ça qu'on risque tout au long du live d'être un peu embêté, on devra se justifier pourquoi on est là. Exactement. Voilà. Donc là ici on a la Stone Continental, la nouvelle Bentley. Alors qu'ils ont appelé Bacalar. La Bacalar. Et non, la Bacalar. Donc la Bacalar et cette caisse-là, donc ils ont revenu avec des feux arrière un petit peu plus stylés que ce qu'ils nous ont pondu sur les dernières versions de Bentley. Parce que faut quand même reconnaître que c'était pas très très heureux. C'était pas jojo. Voilà. Ça reste, selon mon avis en tant que designer, ça reste très compliqué. Moi j'aime plutôt, surtout sur des marques comme Bentley, revenir à des choses assez pures et simples. Ouais, c'est une très grosse voiture, la hauteur de caisse pour un roadster comme ça, c'est très haut, c'est... Ça fait lourd. Hein. Ouais, ça fait très lourd. Assez lourd d'ailleurs. Bah de toute façon, oui. Voilà. Bon. Donc, ensuite on a une NSI. Donc, NSI, c'était un préparateur américain, à la base il préparait beaucoup ce qui est Corvette et tout ça. Et maintenant ils commencent à faire ses propres modèles. Donc là on voit c'est vraiment leur première voiture. La NSI, ils avaient fait aussi une Lotus Elise qu'ils avaient appelée la Venom GT avec un je crois que c'était un LS Twin Turbo qui sortait 1400 chevaux. Vous pouvez aller voir sur internet. Et là du coup c'est leur premier design en partant de rien, donc le monocoque carbone, on a toujours un LS. Je sais plus les specs mais je crois que c'est dans les pareils 1500 chevaux ou 1700. Toujours des voitures ultra puissantes. On va faire un petit tour de la caisse. Design, bon bah ça reste, ils n'ont pas encore des vrais bons designers, donc ça reste quelque chose d'assez standard, j'ai envie de dire. Et ça c'est un sujet en fait qu'on aborde assez souvent avec Alan, on en discute beaucoup. C'est qu'en fait beaucoup de projets comme ça. Là, ils mettent tout le budget dans l'ingénierie, donc ils ont un super châssis, des super performances et tout ça. Et pour le design, en fait, jamais personne comprend l'utilité de dépenser des grosses sommes dans le design. Donc on se retrouve toujours avec des voitures, malheureusement, qui n'ont pas les hauteurs esthétiques de ce qu'il y a en dessous. Ouais. C'est vraiment dommage. Contrairement à ça. Alors, Unterwerk, c'est une très belle philosophie. C'est en gros. Et si Porsche s'était arrêté aux voitures air-cooled, s'ils continuaient à faire des moteurs air-cooled, du coup leur idée c'est de partir d'une 993 et d'essayer de la rendre le plus moderne possible. Donc là on a un très bel exemplaire, c'est la toute dernière, la Speedster. Donc là pareil, coque en carbone, tout est fait en carbone, ils produisent eux-mêmes leur carbone qui est de très belle qualité. On a des phares sur mesure, des feux sur mesure. C'est vraiment un gros travail qui a été fait là-dessus. Donc une belle auto selon moi. Après, c'est vraiment très large.
c'est on un peu essayer. Exagéré, mais pour moi, ils ont quand même fait un bon travail. Ok, donc là, pareil, hein, donc ça c'est tout en carbone. Donc on en a, je vous en ai montré en Fuel Fest quand on avait été avec Charlie Boy. Je vous avais montré, il y avait donc la version avec tout le carbone apparent. Donc là, c'est une version peinte. Voilà, et donc effectivement, comme disait Alan, elle est très large. Il y a des très beaux détails. Donc, les feux arrière, c'est sur mesure. Ils utilisent beaucoup l'impression 3D. Bah, on voit les échappements sont en impression 3D métal. On peut faire un zoom dessus. C'est assez exceptionnel. Ça permet de faire un design très complexe sur les échappements. Voilà, donc c'est... Mais par contre, il y a quand même un truc. Moi, je vais te donner mon avis de non-designer, mais moi, ça me gêne de voir, une queue de canard sur une voiture qui n'est pas de la génération ou qui n'a pas le look des 911 en plus fait, anciennes. Le gros problème, surtout, c'est que vu que la découpe de capot est très au centre, ça fait une toute petite ducktail par rapport à la largeur complète de l'auto. Ouais. Donc si on se met là, effectivement, on ça voit vraiment... Elle fait la moitié de la largeur, donc ça fait très timide. Et en plus, elle est traitée... Elle a un chanfrein très épais. Du coup, ça rend le produit un peu lourd. Ouais. Mais bon, à côté de ça, enfin tout le travail qui est fait autour... Est tellement chouette que... Ouais. On les excuse. On peut les Alors, tout à l'heure, il nous a montré donc sous les... Donc en fait, tu as les caches d'appui-tête. Les caches d'appui-tête. Se cache un petit rangement en fait. Il y a deux petites sacoches sur mesure. Ouais, petite sacoche. Donc toute la pièce en carbone. Et dedans, ça fait deux petits coffres en fait qui s'ouvrent ici. Et dedans, il y a la petite sacoche qui est bien sûr de la même teinte. T'as vu les jantes en deux parties avec jantes en carbone. Ouais. Jantes en carbone avec centre en magnésium. On doit être sur de la jante très 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 légère. Ouais. C'est pour ça, pour une petite marque, honnêtement, ils arrivent à faire des choses assez exceptionnelles. Et donc ils nous disaient tout à l'heure qu'ils font tout leur carbone eux-mêmes. Ouais. Et donc ça, c'est une compagnie californienne. Ils sont pas très très loin de chez nous en Californie. Now we're live. We'll be right back. Yeah. Thank you. Voilà. Donc là, un SUV Lincoln. On va pas forcément s'attarder, c'est le nouvel Aviator. La Ford GT, vous la connaissez. Bon, ça reste un monument quand même. Ah, ça reste une très belle auto. Ouais, c'est une très très belle caisse. Alors ici, donc Alan me disait qu'il y a plusieurs caisses sur lesquelles il a travaillé, et notamment sur cette pelouse. Donc on va continuer le live, vous verrez, on a ici la fameuse Gambala. Il y a la Countach que tout le monde veut voir, donc pareil, on va vous la montrer, on vous donnera aussi notre avis. Et là, par exemple, sur cette voiture-là, Alan, tu peux nous dire un peu ce que tu as fait dessus, toi l'histoire, vite fait, quoi. Bah, le travail que j'ai fait, c'est vraiment l'arche centrale, donc cette pièce ici. Donc, c'est un client qui nous avait contacté, il voulait s'inspirer de la canopie des Formule 1. Donc voilà, il nous avait contacté pour faire ça, et moi je me suis occupé de tout le design. Ok. Et ça a été... Ça va, elle vous plaît ? Voilà, c'est moi qui ai fait le design. C'est vrai ? Non. Et là, on tombe sur un Français. Alors, on est live, là. Ah ouais ? Donc, tu peux nous dire qui tu es ? Alors, je suis la personne qui s'occupe des essais routiers des véhicules et qui s'est occupée du développement de la voiture et qui s'occupe aussi, du coup, de la création et de la mise en place des véhicules. Ok. Très bien. Bah voilà, je te présente Alan de Rosier. Bon, il me rencontre... Voilà, bah c'est le live, c'est ça qui est cool. Voilà. Oui, je me suis occupé du design de toute la pièce. Voilà, et puis toute la partie arrière. Ok. On a eu un problème ce matin avec le haillon arrière qui s'est décalé. Okay. Et du coup, qui touche contre l'arrière, mais j'ai juste à desserrer deux vis et ce sera corrigé. Ok. Et donc, c'est Alan aussi qui a designé la partie arrière du coffre pour que tu puisses ouvrir le coffre. Ça, j'avais surélevé. Donc oublie pas de bien parler fort, j'espère que vous nous entendez bien les gars. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui démarrent les moteurs. Donc après je vois passer des commentaires. Alors effectivement, hein, il y en a pour tous les goûts. Tout à l'heure on ira vous montrer aussi des voitures qui sont des voitures d'époque. Hein, vous avez certainement vu les autres vidéos qu'on vous a montrées. Il y avait notamment une 911 R. Là oui, t'as des voitures qui sont toutes d'origine. Ah, ouais, okay. Ah mince.
Donc j'ai juste retiré un peu, mais okay. C'est cool de l'avoir. On a eu des problèmes sur la voiture qui est partie au Qatar. Okay. Et en fait, on avait des vis qui étaient, ils avaient mis des vis en masse. On va continuer avec la Pininfarina Battista. On discutera avec toi après. Merci pour ta petite intervention. Voilà, bah vous voyez, il y a quand même des Français. Il y a quelques Français ici. Hein. On est en petit comité, mais on retrouve quand même quelques Français. Donc là, on change complètement d'univers. La Pininfarina Battista. Tout à fait. Alors là, je ne peux pas vous en dire beaucoup. Je ne connais pas trop les specs. Il me semble qu'il y a des foules électriques. Moi, il me semble que c'est hyper. C'est tout hyper. Il y a hyper gros frein, hyper grosse roue, hyper léger, hyper en carbone, hyper à 1. Hyper impressionnant. Les portes, c'est spectaculaire. Ça, franchement, ça donne envie d'entrer dedans. Tu vois le truc, c'est comme tu sais, comme quand t'es petit et que tu vois un arbre qui fait cabane. Tu dis, oh putain, un arbre cabane, tu veux y aller dedans. Bah, là, c'est pareil. Là, j'ai envie d'aller m'asseoir. Et d'ailleurs, à propos d'intérieur, on voit qu'il y a eu un énorme travail au niveau des couleurs et matières avec là les broderies super fines. Ouais, c'est très joli. Et on voit la trame de la cellule, hein, toute carbone. Et on voit juste ce qu'il faut. Alors, je ne sais pas au niveau insonorisation ce que ça donne. Moi, je pense que tu penses que c'est pas mal. Voilà, donc c'est assez impressionnant. On va aller regarder, tiens, vite fait là. Attends, est-ce que... Non, je voudrais regarder le volant et tu vois, les deux écrans qu'on voit. Donc là, j'ai pas énormément de recul pour vous la montrer vraiment de loin. On essaiera de vous montrer un peu le 3 quarts avant et 3 quarts arrière en s'éloignant un peu. Mais voilà, donc là, on voit qu'il y a... T'as trois écrans. Donc, t'as une Samsung, t'as un iPad. Comme ça, y a pas de jaloux. Et au milieu, t'as un téléphone... Non, mais c'est assez impressionnant. Ouais, c'est chouette. Alors ça, on sait si c'est une voiture qui va être produite. C'est leur intention, en tout cas. C'est leur intention, ouais. Ok. Ouais. C'est un peu comme nous, notre intention, c'est d'être d'ici l'année prochaine ou l'année d'après. Ce serait beau, hein, sur la pelouse. Ce serait d'être là, sur la pelouse, avec la Renault 5. On se dit, avec la légende automobile Turbo 3, on se dit que si un jour on est là, avec notre voiture ici, ce sera un vrai accomplissement. Ouais. Alors, je vais essayer de montrer un petit peu l'avant aussi. L'avant a des airs très Ferrari, forcément, puisque c'est Pininfarina. Ils ont quand même fait le design de Ferrari pendant des années, donc forcément, ça reste dans leur gène. Ah, c'est vraiment... Alors ça, on est sur un McLaren Artura. Donc, pareil, déjà dévoilé, mais ça reste exclusif ici, parce que pas encore commercial. Ouais. Bon, après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Moi, je connais pas forcément les specs de toutes ces voitures-là. Je connais le design et je connais leur nom. Bon, on aime ou on n'aime pas. Moi, McLaren, ça reste très organique pour moi, un peu trop alien entre guillemets. Ouais. Je préférais le langage précédent. Ouais. C'est ok. Les goûts et les couleurs. Et j'ai envie d'en profiter pour vous demander, s'il vous plaît, de partager au moment où vous regardez là. J'aimerais que vous partagiez au maximum cette vidéo pour qu'on puisse être de plus en plus nombreux à rejoindre. Je sais qu'il y aura beaucoup de gens qui vont le revoir en replay parce qu'on n'a pas prévenu qu'on allait faire un live. Mais si vous pouvez voir ça et si vous pouvez le partager, ça nous rend service. Voilà, donc là, enfin, la fameuse Countach. Alors, on en a vu beaucoup parce que c'est le 50e anniversaire. Ouais, il y en aura beaucoup. Lamborghini, on a vu beaucoup de Countach. Depuis qu'on est là, mais c'est la première fois qu'on voit cette fameuse Countach en vrai. Donc cette Countach, elle est basée sur la Lamborghini Sian qui est donc la dernière hypercar de Lamborghini. On voit très bien qu'ils ont récupéré les feux, l'intérieur et tout ça. Ils ont utilisé le même cuir que le sac de la dame. Donc pas de secret, alors bon, est-ce qu'on aime ou on n'aime pas Ouais. Alan a des petites obligations aussi parce qu'il est sur le stand
sur le stand Gambala, enfin à l'endroit de l'emplacement Gambala. Donc il y a pas mal de gens qui s'intéressent à la voiture et donc il a forcément plein de gens qui posent des questions. On a vu pas mal de stars hein, déjà, on a vu Pinkman, donc c'est Aaron Paul, le comédien qui joue le rôle de Pinkman dans Breaking Bad. On a vu hier, bon il y a plein de gens, on a reconnu pas mal de gens, j'ai pas les noms de tout le monde, hein. Je sais qu'il y a pas mal de trucs intéressants. Donc la Gambala, on vous l'a montré en vidéo. Donc là c'est pareil, en ce moment il y a beaucoup de gens autour. Donc là je vous la remontrerai un petit peu en design. Ici on a la Maserati MC20. Voilà. Ah bah tiens, et ils nous ont entendu, regarde, ils ont bougé. Voilà cette caisse. Donc là ils l'ont mis en position haute. Voilà. Position haute. Donc cette voiture là qui est basée sur une 992 Turbo S. Donc le 4 roues motrices. Suspension développée par KW. Donc c'est un système hydraulique qui permet de lever la voiture et d'avoir beaucoup plus de clearance, donc de garde au sol. Voilà. Je vais vous montrer trois quarts arrière. Exactement, Frédéric. Je vois le commentaire de Frédéric qui dit qu'on croirait la 959. En fait, pour vous raconter un peu l'histoire, cette voiture-là, Alan en 2017 avait fait un sketch. Où il faisait sa réinterprétation de ce qu'il verrait comme 959 moderne. Et en fait, quand Gambala a vu le sketch, il lui a carrément dit « Ah, faut absolument qu'on la fasse, cette voiture. » Et donc, il lui a demandé de faire la caisse. Et donc, voilà, c'est de là que tout est parti. Et ensuite, donc, Alan a signé le design de la voiture. À, on va dire 90%, il y a 2-3 trucs qu'il aurait aimé un tout petit peu différent, mais voilà, il est quand même assez content du résultat. C'est vrai que la caisse, elle reçoit un super accueil. Voilà. Donc la personne que vous voyez derrière Alan là-bas, c'est Marc Philippe Gambala, qui a le livre, ouais. 26 ans. Voilà, donc c'est lui. C'est lui en fait qui a repris toute la lignée de ce que son père avait fait. Comment on prononce en allemand, enfin, c'est... Gambala. Non mais son nom, le nom de son père, Uwe. C'est Uwe. Voilà, c'est écrit Uwe, donc Uwe Gambala, qui avait fait toutes ces fameuses sports. Et vous avez certainement vu dans les petites vidéos qu'on a postées hier, la Mirage GT, qui était une des dernières réalisations de Uwe Gambala avant qu'il décède il y a à peu près 10 ans. Voilà. Là, donc, est-ce que je raconte un peu l'histoire ou tu veux, raconter on peut raconter l'histoire. Hein, on peut... Alors en fait, moi je suis quand j'étais petit, j'ai grandi avec les Gambala forcément, en fan de Porsche. Et en 2017, j'ai fait un sketch de ce que pourrait être une réinterprétation de la 959. Voilà, et ça Marc, j'ai dit. Et Marc a vu ce sketch en 2018. Et donc il m'a contacté pour. De suivre les pas de son père. Bon, malheureusement, quand son père est décédé, il y a une tierce personne qui a racheté les droits, donc qui porte les droits d'utilisation du nom. Juste du nom Gambala. Donc il ne peut pas utiliser ce nom-là pour sa marque, c'est pour ça que la marque s'appelle Marc-Philippe Gambala. Ouais. Et donc il m'a contacté avec l'envie de faire mon sketch en réalité. Et donc à partir de 2018 à 2021, on a travaillé ensemble sur le design. Comme je viens de le dire au client, toute la partie arrière, vu que mon sketch de base c'était le 3 quarts arrière, ouais. Toute la partie arrière était déjà définie. Et donc ce qu'on a eu à définir ensemble, c'était vraiment le body side. On vous fait un petit peu plaisir, bougez pas. Faut
j'évite de lâcher mon téléphone sur le sur la compta. Non, no problem. Donc lui, je pense que c'est un comédien connu, mais je ne me souviens pas de son nom. Bah, de toute façon, le, on va forcément voir. Ouais, on a vu pas mal. J'ai dit qu'on avait vu Pinkman et tout. Donc voilà, donc en gros, pour l'histoire de cette caisse-là, donc là, pour Frédéric qui pose la question, c'est quoi l'événement? Ici, on est à Pebble Beach, c'est le concours d'élégance. Tous les ans, c'est la Monterey Week. Donc on est au nord de la Californie, un petit peu au sud de San Francisco, donc à peu près 6 heures de route de Los Angeles. Et bah, ici, on est sur cette partie-là, c'est vraiment le concept car lawn. Donc c'est une pelouse. Tiens, allez, je vais vous montrer la pelouse parce qu'elle est assez impressionnante. Et voilà, c'est en fait ici, il y a énormément de golf. Et donc là, c'est vraiment le top de la pelouse qu'on peut trouver. Donc ils ont mis les caisses ici. Voilà, donc le petit aparté sur la Gamba là. Ouais. Ensuite, la MC20. Donc, donc ils partagent la plateforme avec une Ferrari. Alors après, je veux pas vous dire de bêtises, je sais plus c'est laquelle. Je crois que c'est la SF90, mais je ne suis pas sûr pour le coup. Voilà. Pour moi, très belle. Très belle. Après, il y a des trucs que j'aurais fait différemment, mais ça reste une très très belle auto dans l'ensemble. L'intérieur est sublime, je trouve. Et d'ailleurs, une fois que j'ai vu les traits sur les sièges, ça me rappelait beaucoup la Turbo, justement. Ouais. Ça, c'était, je trouvais ça très très joli, très moderne, très graphique. Just a second, sorry. En fait, j'adore les traits bleus qui se dégradent au fur et à mesure. C'est magnifique. On voit beaucoup mieux aussi. Ouais. Ça rappelle vraiment, je trouve, l'intérieur de Bertone, de la Turbo. Ah ouais, c'est absolument incroyable. C'est une jolie voiture. Là, on a le... Non, juste je monte un petit peu l'avant. Alors, t'en discutais tout à l'heure avec Sacha. C'est vrai que l'impression qu'on a, c'est que c'est une caisse qui est pure, mais ils n'ont pas pris vraiment de risque. Ouais. On a un peu l'impression qu'elle ressemble un peu à d'autres modèles. C'est moins exubérant qu'une Ferrari. Il y a beaucoup moins de détails, c'est moins torturé. Ça peut être aussi un gros problème pour les designers, puisque Maserati faisant partie du groupe Fiat et donc Ferrari a sûrement son mot à dire sur le design pour pas qu'il soit trop en concurrence avec eux. D'accord. Il y a souvent des problèmes politiques qui impactent le design, malheureusement. Ouais. Bon, là on passe carrément à autre chose. Vous voyez, celle-ci, elle est électrique, on voit le fil. Hein. Donc par exemple, là elle a une autonomie d'à peu près, je dirais, 3 mètres. Je sais pas trop jusqu'où. Voilà, donc là, Audi, vous l'auriez reconnu, non? On l'aurait pas reconnu, non, si on sait pas que c'est une Audi. Voilà, donc... La voiture s'allonge d'à peu près 20 cm, ce qu'on voit sur le côté. Voilà, ça, la voiture s'allonge en mode autonome et se raccourcit en mode sport. Donc, en mode autonome, le volant se range en dessous la console, enfin, en dessous le, comment on appelle ça, la dashboard. Là. Ouais, le tableau de bord. Le tableau de bord, ouais, merci. Et du coup, l'avant s'allonge pour avoir plus d'espace aux gens. Allez, on va regarder un peu l'intérieur, si on arrive à se mettre un peu devant les gens. Ouais. Hi there. Là, donc elle est en mode autonome. Ah oui, on voit le volant qui est tucké en dessous, là, voilà, sous le tableau de bord. Je vais m'approcher un peu au risque de gêner les gens, mais ils avaient qu'à avoir un accès privilégié. Voilà, ils vont voir nos beaux dos. Voilà, on voit le volant en dessous. Voilà, donc ça, c'est une stricte deux places aussi. Hein. Stricte deux places, et du coup, quand elle passe en mode conduite, les sièges se rapprochent. Et le volant sort. Et le dash aussi, tout l'écran sort. D'accord. Donc nous, on avait eu la chance avec Alex, il y a 2 ans, un peu plus, de voir le précédent concept chez Audi. Parce qu'on a un copain qui bossait chez Audi, et au design Audi. Et c'était vraiment cool, mais ce qui était différent, c'est que là, tu avais carrément, c'était le poste de pilotage qui bougeait de façon en latéral. Pour avoir une conduite en position centrale. C'est ça. Donc c'était assez particulier. Le concept s'appelait PB18, donc PB18, et donc c'était pour Pebble Beach 2018. Ouais. Voilà, les gens peuvent aller voir. Et bien si vous voulez voir la PB18, donc c'est la Pebble Beach 2018, et là celle-ci. Celle-ci, j'ai
mangé le nom, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et bah, y a peut-être des gens qui regardent qui vont nous commenter ça. Voilà. C'est sûrement Audi, Nitron, quelque chose. Ouais. Voilà. Et tiens, ici, si on fait un zoom, donc l'endroit qui rentre, voilà, ça va être ici, là, c'est ce qu'on voit. Hein. Donc là, elle est en position longue. Là, tout le nez est-ce se qu'on rapproche. Pourrait demander, je vois le monsieur qui a la télécommande derrière, est-ce qu'on pourrait le... Ok. Ça se trouve, on va avoir en exclusivité pour... Le volant, et donc la voiture recule. Hein. Le volant sort. La voiture, on voit la roue avant qui recule. Et les sièges qui vont sûrement. Ils ont déjà avancé peut-être. Thank you so much. Wow. Yeah, very, very nice of you. Thank you so much. That's awesome. It looks better like that, right? Yeah. Voilà, donc ouais, là, ça, la voiture, c'est encore... ça lui fait du bien, ouais, elle perd, ouais, elle ouais, ouais, c'est plus joli. Allez, hop. Voilà. Concept Sky Sphere. Ah voilà, c'est merci ça. Frédéric. Exact, exact. Bah, tu vois, c'est ça qui est bien en live, c'est qu'on a un vrai échange. Oui, parce que les gens peuvent participer aussi. Très, très bien. Et exact, c'est cool. Et c'est, ils ont trois concept cars qui vont arriver, donc ça c'est la première. C'est toutes des sphères. Ok. Donc là, la Genesis. La Genesis qui est sortie il y a un petit moment déjà. Ouais. Soit il y a 6 mois, soit même plus que ça. Donc ça, c'est un concept. C'est, un concept. C'est pas quelque chose qui va forcément être. Non, ça va être calmé, forcément. Elle est en slick, ça qui est marrant. Alors tu vois, ça c'est vraiment c'est des drôles de choix. Parce que tu te dis. On voit que c'est une voiture qui a un caractère sportif, ok, mais très routier, c'est pas une voiture de course. Donc l'intérêt de mettre des pneus slick, à part que les gens disent « Ah, ils ont mis des pneus slick » ou que... C'est parce que la voiture ne roule pas, hein. c'est vraiment une pièce de show, la voiture est, exact. La voiture est électrique et dirigée par une télécommande. Ouais. Donc, elle prend 12 km/h. Voilà. C'est purement c'était le cas de la dernière, hein. Ouais, je crois que ça marchait. Et c'est pour ça, c'est beaucoup un choix de designer de mettre des pneus slick. Ça fait rêver tous les designers d'avoir des pneus coulisses. Ah yes. Ah c'est joli. On profite c'est pour joli. Pour cette ok. Là on est sur le facelift de la. De la NSX. Ouais. Alors la NSX. Alors moi je la trouve réussie. Donc j'aimais beaucoup bien sûr la première version. La NSX qui s'appelait qui était Acura aux États-Unis et Honda en Europe. Et là, bah, cette interprétation plus moderne est vraiment cool. On voit qu'elle a des suspensions aussi qui doivent être pilotées. Là, elle est un peu haute. Ouais, tout à fait. On voit que... C'est toute la majeure partie des voitures de sport aujourd'hui sont munies d'un lift. Hein, voilà, parce que sinon, en deux modes, sinon bah, tu défonces tout à l'avant, c'est pas possible. Donc voilà, on voit. Mais pour le, tu vois, pour le show, je l'aurais quand même mis à sa stance plus basse, certainement plus jolie. Parce que là, ça donne l'impression, tu vois, les pneus taille basse, ça fait... Bon, c'est pas du plus bel effet. Mais tu vois, c'est souvent, on se fait la remarque, c'est qu'en fait, bah, y a des millions qui sont dépensés dans plein de choses. Et puis après, bah, t'as des petits détails qui sont... Des détails qui comptent. Hein. Des détails qui comptent et qui, malheureusement, bah, sont pas toujours... voilà, c'est les... Là, on voit l'organisation générale, on voit un petit peu... On a la chance d'être vraiment au centre. Là, avec une voiture exposée là, on a été invité, on voit vraiment un petit peu comment ça se passe. Et alors, bien entendu, tous les gens qui sont responsables de tout ça, c'est un énorme stress, énormément de travail, etc. Mais malgré tout, et ben parfois, il y a des petites erreurs qui peuvent être commises et qui peuvent être... bon, c'est un petit peu dommage, mais voilà, ça reste une très très belle caisse. Hein. J'ai pas encore montré le 3 quarts avant, mais regardez. Hein, c'est une très jolie caisse, très pure. Voilà, il y a aussi les un peu comme la GT, hein, les petits passages d'air qui est très joli. On va zoomer un peu. Voilà. Super caisse. Voilà, bah écoutez, pour ceux qui n'ont pas vu le début du live, donc... Comme je vous ai demandé tout à l'heure, merci de le partager autour de vous, dans les groupes, chez un petit peu partout. Et puis, vous pourrez revoir un peu bah, les,
les voitures qu'on a montrées. On ne s'est pas vraiment attardé sur la, Yasco, ouais. On va refaire un dernier petit... Yasco Absolute. Alors c'est assez incroyable, cette jambe pleine à l'arrière. Absolute, c'est pour le côté aérodynamique. Ouais. C'est pour ça qu'on a une jambe pleine, les deux petits ailerons de requin à l'arrière. Il y a eu un gros travail de fait sur l'aéro. Ouais. C'est assez impressionnant ce que fait Christian Van Koenigse. Ouais, c'est fou. Voilà. Avec le petit drapeau suédois. Fièrement. Ouais. Il peut, hein. Ça fait 20 ans qu'ils existent. Ah, c'est incroyable. Donc là, Sacha nous disait tout à l'heure qu'ils sont 500 employés. Ça ne fait que grandir chaque année. Donc pareil, tout est ils produit. Ils font leurs propres freins aussi tout maintenant. Tout est produit chez eux. Donc le carbone est produit chez eux, ils produisent leurs propres jantes en carbone, ils ont énormément de brevets parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas comment ils arrivent à produire des jantes comme ça aussi déjà. Ouais. Ils sont vraiment les meilleurs ingénieurs. Bon, ils arrivent vraiment à faire des trucs incroyables. Ouais, même Sacha nous disait, les étriers sont maintenant produits chez eux, ils ne travaillent plus avec des marques comme Brembo ou quoi que ce soit. Avec des petits écrous apparents. Bon. Pourquoi ? Bah, bol de disque démontable. Ouais, ouais, ouais. Mais pas un petit cache ou un petit truc dessus sur le petit écrou, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Alan ? Moi, j'aime bien. T'aimes j'aime bien parce que c'est le côté. Ils auraient pu mettre un nil-stop. Un nil-stop coordonné, avec la petite partie plastique coordonnée à la fin de la voiture. C'est voilà. Bon, on va leur envoyer un petit mail en ce sens. Voilà les copains, bah, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Nous on va aller retrouver JP pour la suite de notre petite journée ici. On a plein d'autres caisses à aller voir. Donc on vous refera, refera au maximum. Je vous laisse, j'ai des copains, des designers. Allez, portez-vous bien. Bye bye. Salut à tous.